Bonjour à tous, c'est Gen, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Nations Glory. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, toujours sur le même serveur, hein. On est toujours au Cameroun effectivement, et il y a eu pas mal d'avancements dans le pays depuis la dernière fois. Alors notamment, on a commencé à se mettre plutôt bien en termes d'argent. Dans le pays, parce qu'on est à plus de 22 000 argent en banque. En plus, au niveau des builds de Melkai et moi, on a construit, enfin surtout Melkai, hein, cette statue. Donc j'avoue, elle est assez rigolote, mais en vrai, je la trouve belle. On savait pas quoi mettre ici, vous voyez, on avait un petit peu de place. Donc on a mis la statue, et moi je la trouve plutôt belle. Franchement, il a fait du bon boulot là-dessus. Donc voilà. Ensuite, on a aussi mis en place un système de petits tableaux au spawn de notre pays. Donc en gros, ici on a le tableau avec toutes les choses qui ont été faites, tout simplement toutes les fautes qui ont été faites. Ensuite, ici on a le tableau avec toutes les choses qui sont à faire. Donc vous voyez que là on n'a plus rien à faire étant donné que Melkai nous a dit j'ai fini les routes, etc. Ensuite, au niveau des avancements en termes de build, on n'a pas fait que ça. On a aussi aménagé un petit peu la partie gauche, vous allez voir. Tadam! Oh, c'est pas super joli en vrai. Mais on a commencé avant, vous voyez, on avait juste cette partie-là. Et bien là, on a le champ qui vient jusqu'en face de cette petite maison, qui sera pour une personne, je sais pas, la prochaine personne qui viendra dans le pays, ce sera pour elle. Peut-être pour NS qui vient de rejoindre le pays. On verra. Qui veut prendre sa maison, la prendra. Ensuite, on a ici la librairie. Ou la bibliothèque, comme vous voulez, qui est en construction. Donc c'est moi qui suis en train de la construire un petit peu. Donc là, on mettra la table d'enchant. Ici, on mettra des coffres avec un petit peu de déco. Et donc voilà. Et ici, on mettra genre plein de bibliothèques pour faire de la déco. Ainsi qu'un petit bureau, je pense. Enfin, je verrai la déco. Mais en gros, ça sera ça. Ensuite, ici, il y a la maison de NS actuelle. Mais Melkai lui a dit que c'était pas vraiment dans le style du pays. Du coup, il lui a dit, bon, ou tu la refais, ou je te la refais. Mais va falloir la changer. Donc moi, je suis d'accord, elle est très jolie, hein, sa maison. Mais elle n'est pas dans le style, vous voyez, un petit peu médiéval, où on fait un petit peu avec la stone brick et le bois sombre. De plus, il y a des petites routes qui ont été faites. Gros changement aussi au niveau du classement. Donc vous vous souvenez, la semaine dernière, on était 29e. Donc c'était assez surprenant et c'était pas normal, je pense. Du coup, bien entendu, on est redescendu. On n'est pas resté 29e. On est passé 35e, il me semble. Voilà, 35e. Donc, ce qui nous a fait à peu près 9 000 $. Donc, ce qui nous met plutôt bien. Il y a aussi des mises à jour depuis la semaine dernière sur Nations Glory. Notamment l'ajout d'un nouveau missile, le Red Matter. Donc c'est un nouveau missile qui est totalement abusé. Donc je vais vous épargner un petit peu les détails. Donc dans cette mise à jour, donc bien entendu il y a eu le Red Matter comme je vous l'ai dit, qui a en gros fait une pas si grosse explosion que ça, mais qui donc en gros il permet de unclaim une zone et en plus de diviser votre power. Donc c'est assez abusé franchement, mais bon il doit coûter très cher. De plus il y a eu l'instauration du shop du pays. Du coffre de pays, excusez-moi. Donc là, on va stocker tous les items un petit peu précieux. Donc par exemple, vous voyez qu'on a 46 de diams maintenant. On a un full staff diams qui est rangé juste ici. On a du fer, il a mis du bois, bon. Les officiers y ont accès, mais pas les autres. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous voulez rejoindre le pays, je vous invite à rejoindre le serveur Discord qui est en description. Et si vous voulez jouer au jeu, car vous n'y avez pas encore joué, je vous invite à créer un compte avec le lien qui est dans la description. En gros, c'est un lien de parrainage qui fait qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui crée un compte avec et qui joue un petit peu dessus, me permet de récupérer de l'argent dans le jeu. Donc si vous voulez commencer le jeu, je vous invite à utiliser mon lien, ce serait vraiment sympa. Donc ensuite, comme vous pouvez le voir, oh bah il m'a donné de l'émeraude, cool. Alors juste, c'est Palios derrière moi, hein. Bon, je sais que ça n'a aucun rapport, mais bon, c'est Palios du tout, c'est un ami à moi qui s'est appelé Lios pour se marrer. Mais Lios il joue pas. Mais comme vous pouvez le voir, bah, j'ai changé de skin. Je me suis fait mon propre skin, donc ça c'est mon skin à moi. Donc je suis assez fier du résultat. Il y a juste un tout petit problème. Regardez quand je marche, vous voyez mes bras, il y a du rouge à l'intérieur, j'arrive pas à l'enlever.
C'est assez gênant, j'aurais préféré mettre les flammes bleues. Donc du coup, j'ai un petit peu réinitialisé le panneau des choses à faire. Et là, avec vous, moi, j'aimerais bien finir cette librairie, là, le toit, il n'est pas fini. Placer la table d'enchant aussi. Mettre le petit panneau librairie, bien entendu. Et voilà, peut-être aussi réussir à miner, mais bon, je sais pas si j'aurai le temps dans cette vidéo. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faudrait que je mine pour farm un petit peu d'XP. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre une petite hache en fer. Ce sera plus pratique pour la construction, je pense. Et on va commencer à aller farm le bois sombre. Tadam! Donc voilà, donc je pense, à part le petit pilier là que j'ai oublié de casser, mais je pense que j'ai honnêtement fini l'extérieur de la librairie. Voilà, donc j'ai cassé ça. Donc franchement, je trouve ça plus trop propre. Peut-être que je rajouterai des escaliers, vous voyez, comme j'ai fait devant là, qui dépassent un petit peu. Vous voyez, les escaliers, ils dépassent un petit peu. Donc peut-être que je rajouterai ça ici. Ça fera un peu plus plein. Ouais, je vais sûrement faire ça parce que je trouve ça un petit peu vide. Vous voyez, c'est un petit peu rapide d'ailleurs. Check. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas assez de bois. Mais je le ferai prochainement. Je vais aussi sûrement commencer l'intérieur. Parce que pour l'instant, à part ça, là, on a un petit peu fait. Mais bon, pas grand chose. Et la sorte de petite mezzanine juste ici. Faudra que je commence à mettre des trucs. Moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais essayer avec le catalogue de commencer à décorer un petit peu cette partie là. Là, vous la voyez. Elle est un petit peu vide, donc on va la décorer un petit peu avec 2-3 trucs du catalogue. Je vais voir s'il n'y a même pas moyen d'avoir des sortes de petites bibliothèques genre mais modées, parce que ça rajoute vachement de points dans le pays. Et donc ça peut être vraiment intéressant. Donc on va voir tout ça. Donc là on est dans le catalogue. Donc nous on est plutôt dans le style médiéval ou classique. Mais on va quand même essayer d'observer un petit peu tout, à commencer par le médiéval. Alors, un lit double, ça nous intéresse pas, table de nuit, bibliothèque, vous voyez, bibliothèque, donc ça, ça pourrait nous intéresser. Grande bibliothèque, alors, je pense qu'on va plutôt partir sur des grandes bibliothèques qu'on mettra vraiment en masse, vous voyez, dans la petite mezzanine qu'on avait vue en haut. Tapis d'ours, moi j'aime bien pour le sol, je trouve ça assez joli. Meuble à tiroir, pas terrible. Une armoire, pourquoi pas. La cheminée, oh, j'avais pas vu. Faut regarder, hein, ça peut donner des idées. Oh, il y a des tables médiévales. Faut que je regarde plus. Donc là, on a déjà vu deux trucs qui nous intéressent. On les achètera si on trouve pas mieux. Là, la bibliothèque est pas très jolie. Les tables sont plus jolies quand même ici. La cheminée est vraiment belle. Mais bon, rien de plus intéressant. Je pense que je vais quand même m'acheter. Alors, beaucoup de bibliothèques comme ça. Je sais que ça coûte un petit peu cher, mais bon. Je vais en acheter, vas-y, 4. Allez. On est riche pour l'instant, donc on va s'acheter ça. Donc, je sais pas si je les place en haut. Oups, il y a un petit bug peut-être. D'ailleurs, je vais m'acheter une petite aussi. Voilà, donc, bah voilà, j'ai vidé tout mon argent. Donc, la petite, donc, qui doit être là, voilà. Hop, les. Je pense que je vais la placer juste ici. Voilà, franchement, elle rend très bien, elle est très jolie. Très très belle et elle se place bien, vous voyez. Je pense qu'ils ont réglé un petit peu le bug qui faisait que les bibliothèques se passaient pas bien. Que les bibliothèques ou même que les blocs monnaie de façon générale ne se plaçaient pas très bien. Donc j'en mets de 4 en tout. Alors on va en mettre 2 comme ça. On va passer ce petit pont. On va en mettre 2 autres ici. Voilà, ça rend plutôt pas mal. Donc on commence à meubler. On va aussi s'acheter des tapis d'ours. Donc là j'ai les tapis d'ours, donc je pense que je vais en mettre peut-être pas un là parce que vu que c'est l'endroit de la salle d'enchant, on va la meubler un petit peu plus avec des blocs vanilla vu qu'on aura de quoi mettre. En revanche ici un petit tapis d'ours juste ici je pense. Ah non, peut-être pas là. Je vais récupérer. On va le mettre plutôt là je pense. Peut-être plutôt comme ça. Il me paraît vachement petit quand même. Il paraissait plus gros dans les autres pièces de chez moi. Non, il est pas très joli. Bon, tant pis, on va le mettre à l'étage celui-là. Vu que l'étage est plus petit, ça rendra peut-être mieux. On va en mettre 2. Tchac. Comme ceci. Et 2 de l'autre côté. Donc, 1 ici. 1 ici. Allez, donc là, on n'a pas mis encore les blocs. Mais on les mettra un peu plus tard. Je vais peut-être prendre ceux-là d'ailleurs. Ils seront peut-être un petit peu mieux.
Tchac. Et voilà. Donc voilà, ça commence à être plutôt pas mal, hein, franchement. Elle commence à avoir un petit peu de style. Ici, on va mettre des petites barrières, je pense. Tchac. Pour faire genre, faut pas tomber. Là, je vais rajouter des bibliothèques Vanilla sur les bords. Mais bon, on n'a pas encore assez de livres pour nous faire tout ça. Là, je vais peut-être rajouter des petites bibliothèques, des petites tables de craft, des petits éléments de décoration. Je vais aussi, je pense, fermer ici, là, le trou qui ne sert pas à grand-chose. Mais sinon, moi, je suis assez content de la librairie. Hein, franchement, elle prend forme. Bientôt, je pourrais mettre la table d'enchant juste là. Hein. Pour l'instant, elle est dans notre... précieusement gardée dans notre under chest. Parce que pour l'instant, à chaque fois qu'on se fait attaquer, il nous la vole. Donc, c'est assez relou. Du coup, ce que je fais, c'est que je la mets dans l'under chest. Et dès qu'on la posera, on s'enchantera tout. Comme ça, on pourra mieux nous protéger et éviter de se la faire voler trop facilement. Autre chose qui est vraiment l'un de nos objectifs principaux, ce serait de commencer à avoir une plus grosse puissance militaire. Parce qu'on se rend compte qu'on est diminué au classement, surtout à cause de notre score militaire qui est vachement bas par rapport aux autres pays. C'est-à-dire qu'on est en 2,6 points, alors que les pays qui sont au-dessus de nous, vous voyez, ils ont 7 points en score militaire. Bon, certes, c'est aussi au niveau de la décoration, parce que là, récemment, on a claim toute une zone qu'on n'avait pas eu le temps de décorer. Donc là, vous voyez, bon, il y a encore ici un petit jardin, je pense, qu'on va faire, ou un petit parc. Ici, je vais changer ça, c'est pas beau du tout, et j'espère que vous êtes d'accord avec moi. J'aime pas du tout ça, ici, comme ça. Je pense que je vais demander à Melkai de remettre de l'herbe ici, c'est beaucoup plus... J'arrive un petit peu à court de temps pour cette vidéo, j'aurais bien aimé faire autre chose, faire un petit peu de minage, un petit peu plus de déco et avoir le temps d'avancer un petit peu plus. Mais bon, j'ai plus le temps. On se retrouvera la semaine prochaine pour voir les nouvelles notations et les avancements du pays comme d'habitude. Si vous avez des suggestions de ce qu'on peut faire dans le pays, je vous invite à me les dire en commentaire. Aussi, si vous ne voulez pas rater le prochain épisode, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez rentrer dans le pays, à rejoindre le serveur Discord qui est en description, ou à utiliser mon lien de parrainage qui est en description pour pouvoir vous connecter au jeu pour la première fois. Bref, c'était Gen. Prenez soin de vous. Je vous dis ciao.